Tetris DX, sorti en 98 en même temps que la Game Boy Color, est un jeu qui se veut être une version améliorée du Tetris de la Game Boy, étant donné qu'on y rajoute 3 modes de jeu, même si on en perd un au passage, des couleurs et des nouvelles musiques. Les modes de jeu supplémentaires étaient simples mais incroyablement efficaces, un mode timer dans lequel il fallait faire un maximum de lignes dans un temps imparti, le mode 40 lignes qui demandait de réussir à faire 40 lignes le plus rapidement possible, ainsi qu'un mode versus qui était grosso modo le mode 2 joueurs de Tetris mais ici qu'on peut jouer seul. Et donc je n'ai pas grand chose à dire sur ce jeu, c'est une version améliorée de Tetris tout aussi efficace que son prédécesseur, et ce jeu est bien utile car il va me permettre de faire la transition avec un jeu sorti l'année encore d'après en 99, Magical Tetris Challenge ou défi au Tetris magique qui, pour des raisons pratiques, je vais appeler Tetris Disney. Parce que, soyons francs, Tetris, c'est le jeu le plus vendu de la Game Boy, c'est le troisième jeu, au moment où je vous parle, le plus vendu au monde, et je ne prends aucun risque en disant que vous y avez tous joué, donc vous savez déjà à l'avance si vous aimez ou non. Parce que ce Tetris Disney, c'est le deuxième Tetris sur Game Boy Color, et la question c'est qu'est-ce que lui apporte en plus que Tetris DX, qui apportait surtout une version un petit peu améliorée graphiquement, et des modes de jeu supplémentaires. Car soyons honnêtes, si le seul argument de vente c'est Tetris avec la gueule de Mickey et de Donald, honnêtement on est assez proche de l'escroquerie. Donc qu'est-ce que ce jeu a effectivement apporté? Eh ben déjà une chose intéressante, ça a apporté une sorte de mode aventure appelé le mode recherche. Ce mode de jeu consiste à incarner soit Mickey, Minnie, Donald ou Dingo à la recherche de pièces numérotées que l'on devra récupérer en affrontant d'autres personnages de l'univers Disney. L'un des aspects sympathiques de ce mode, c'est que justement les pièces numérotées sont, on va dire, cachées, étant donné qu'on ne sait pas à l'avance quel personnage contient telle ou telle pièce, et donc il faudra un petit peu mener l'enquête pour découvrir qui contient quoi. Les épreuves, c'est assez simple, il s'agit de parties Tetris à travers des modes qui ont justement été incorporés dans ce Tetris Disney, et justement, lorsque l'on réussit à gagner ce mode de jeu, on peut débloquer ces modes au fur et à mesure, on va dire dans le menu principal, car seulement 3 sont disponibles sur 6 à la base. Et ces modes de jeu, parlons-en. Il y a le mode standard, la partie classique de Tetris, le mode up-down qui consiste en mode versus de DX, le mode magical qui est assez sympa et qui consiste à ce que les malus que l'on récupère lorsque l'on affronte l'adversaire, eh bien ce sont des blocs plus gros avec des formes différentes et plus dures à placer, le mode signal qui au début j'aimais pas trop mais qui s'avère extrêmement fun, qui consiste à allumer ou éteindre des lumières, le mode towering qui était grosso modo le mode qui avait disparu de Tetris DX par rapport à Tetris et qui est revenu en version améliorée, c'est-à-dire qu'en fait on a des lignes qui sont incomplètes qu'il faut réussir à finir mais elles montent au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on atteigne une serrure et une fois qu'on a fait disparaître cette ligne on a gagné, et le mode target qui est un mode puzzle pur, on a un nombre de tétrominos limité et il faut réussir à faire disparaître par exemple les noisettes. Au cas où vous vous posez la question, ça ne change absolument rien de jouer Mickey, Minnie, Donald ou Dingo étant donné que c'est juste graphique. Je veux dire, ça change même pas la musique du jeu, hein. C'est pas genre d'une manière un peu cachée de choisir la musique. Non, ça change rien, et même si les musiques sont plutôt bonnes, elles seront jamais aussi iconiques que le thème original de Tetris. Et donc maintenant la question, c'est quoi les défauts du jeu? Car en fait, bah, c'est cool, on a rajouté des modes de jeu supplémentaires, l'univers Disney ça marche toujours assez bien visuellement, et donc bah, c'est quoi les problèmes par rapport à ce jeu? Eh bien déjà, le mode recherche, bien que très sympathique, est très frustrant. En gros, l'idée normalement, c'est de pouvoir prendre un petit peu son temps pour rechercher les pièces dont on a besoin, tout en allant plus vite que l'IA, sauf que l'IA va très vite pour les récupérer, et le problème, c'est que nous, on ne sait pas à l'avance où se trouve une pièce, et surtout, bah, ce n'est pas fixe. Donc ça fait que soit on est très chanceux, soit vu qu'on a des sauvegardes, on en abuse un petit peu, mais je pense pas que les développeurs aient réfléchi comme ça le level design. Et en plus, choisir le mode facile, normal ou expert, ça change la difficulté des épreuves au sein de la recherche et pas le timer. Et deuxième gros défaut, et c'est là que le bât blesse, le mode standard est pas si bien foutu que ça. Alors ne nous méprenons pas, ça reste du Tetris, mais la difficulté vient du fait qu'il y en a des fois quasiment pas. En fait, contrairement à Tetris DX par exemple, on choisit pas un niveau de difficulté par rapport à un palier de ligne, mais on choisit simplement facile, normal ou expert. Et le problème c'est que par exemple en mode normal, la vitesse est capée. Ça veut dire que globalement, vous allez assez facilement réussir à atteindre des 200 voire 300 lignes sans réelle difficulté, là où dans Tetris DX, ça devient juste un enfer passer 200 lignes. Et ok, en mode expert, la vitesse est plus rapide, mais elle est tout de suite plus rapide, ce qui empêche la philosophie de « on commence pépère et on monte crescendo en vitesse ». Et c'est dommage, parce que selon moi, c'est là où vient le vrai plaisir. On commence tranquillou, puis au fur et à mesure, il y a cette sensation de vitesse et d'emportement qui est juste jouissive.
Et donc en conclusion, est-ce qu'il vaut la peine de jouer à ce Tetris Disney ? Eh bien je pense qu'il y a plusieurs réponses possibles en fonction de l'expérience que vous recherchez. Par exemple, si vous voulez juste vous faire une petite partie de Tetris comme ça de temps en temps, eh bien je pense qu'il vaut mieux passer votre chemin étant donné que comme je l'ai expliqué, le mode standard malheureusement n'est pas aussi réussi que sur Tetris ou Tetris DX. Par contre, si vous recherchez une nouvelle expérience autour du gameplay de Tetris, eh bien effectivement, les modes sont assez sympathiques et assez réussis, et en vrai, le mode recherche, même si frustrant, est quand même bien prenant. Donc, dans les faits, perso, on dirait pas comme ça, je suis un petit peu mitigé vis-à-vis de ce Tetris Disney qui, bien que sympathique, pour moi, perd l'essence de ce qui m'intéresse dans un Tetris. Mais d'un autre côté, les nouveaux modes de jeu proposent une nouvelle expérience qui est loin d'être désagréable.